Pardon. C'est bien. Oui. Bienvenue au 19e salon du Collard. Vous voyez que j'ai gardé ma voix d'ancien syndicaliste. Il commence à parler beaucoup de que reprendre le mouvement. J'ai 17 ans spécialiste dans le rameutement de foule, donc ça me fait du bien de reprendre un peu d'activité. Alors on est un peu débordé là, parce que d'habitude on fait un tout petit discours de quelques minutes, puis on dit aux gens après de servir, mais là il faisait très soif, vous aviez soif, donc ça a été un peu le contraire. Donc d'abord je vais remercier la MJC avec qui je collabore depuis de nombreuses années pour le salon du collage. Gérard et Josette, sans qui nous ne serions pas là. Sylviane Etcheva, qui a fait seule la crossage, depuis que je me suis aperçu que Sylvia accrochait mieux que moi, je ne fais plus rien de ce côté-là, je me décharge totalement. Et c'est vrai qu'on a un excellent accrochage, qui n'est pas évident étant donné la pluralité des toiles et des artistes. Répondez que je ne suis pas là. Je ne peux pas être partout. Je ne peux pas tout faire. Merci à la quarantaine d'artistes qui nous ont fait confiance pour participer à cette 19e édition. Je suis assez content, on peut dire c'est une bonne année, c'est comme le vin le Salon du Collard, il y a des bons crus et des crus un peu moins bons. Bon, quand c'est moins bon, je dis rien en fait. C'est quand même politiquement correct, un minimum. Mais quand c'est un très bon cru comme cette année, c'est un plaisir, d'une part parce qu'il y a une vraie pluralité dans l'art du collard dans cette exposition. C'est ce que j'essaye de démontrer à travers 500 expositions et 20 ans de carrière, à travers mes bouquins également. Et là, c'est assez représentatif de cette pluralité-là, toujours dans l'esprit que la peinture est l'art de la discipline et le collage est l'art de l'indiscipline. Et là, on retrouve bien l'indiscipline des artistes. Vous voyez bien, ils ont vu avant que je parle. C'est bien eux. D'autre part, j'ai remarqué que beaucoup plus d'artistes qu'auparavant s'occupaient de la présentation, des colles, du potentiel de l'hydrogène, de la qualité des supports. Je trouve que c'est beaucoup plus professionnel et qu'on va dans un bon sens, surtout par un art qui est peu considéré. C'est aux artistes collagistes de donner plus de valeur à leur tableau. Pour finir, vous savez que l'association Arcole existe depuis 20 années, ça fera 20 ans. En octobre 92, qu'on n'a aucune subvention, qu'on n'en veut plus d'ailleurs, maintenant, en tout cas, on arrête les papiers. Et puis après tout, on ne s'aperçoit pas qu'on est libre et indépendant et qu'on peut dire merde quand on peut dire merde. C'est vraiment le prix de la liberté et c'est pas mal. Le dernier bouquin s'appelait le 2 janvier, s'appelait La liberté est un collage, donc on en est bien là au niveau de l'association également. On est auto-subventionné par nous-mêmes sur un vieux principe qui s'appelle l'autogestion. Mais que bien sûr, vous pouvez soutenir l'association, il y a des bulletins d'adhésion. On remonte, c'était le but de l'association à la base, le musée Arcole, qui est le seul musée de l'art du collage au monde, comme le salon du collage est le seul salon du collage au monde, bien sûr, etc., etc. Si vous passez en Bretagne, n'hésitez pas à voir le musée. Il est dans le même esprit, puisque j'en suis l'initiateur, c'est-à-dire entrée gratuite. Et je vous parlerai moins fort, parce que là, je n'ai pas besoin de prendre ma grande part. Donc chaque année, on se concerte un peu entre anciens, on va dire, soit on a un invité d'honneur, soit on se concerte entre anciens, pour remettre un prix Arcole qui est purement symbolique, mais qui est utile pour l'artiste, parce qu'il n'y a qu'un seul salon du collage, et avoir reçu le prix Arcole 2012, c'est utile dans un CV d'artiste. Alors il y avait cette année quand même beaucoup plus de problèmes, parce qu'il y a beaucoup plus de toiles qui correspondaient à certaines choses. Ça a été particulièrement difficile. D'autant plus que c'est toujours absolument subjectif de remettre un prix. Et en plus, on n'était pas d'accord. Donc, vous voyez que quand ça se complique, ça se complique. Donc, au final, on a fait trois papiers pour avoir un peu vaguement quelque chose, mais c'est tellement subjectif que c'est très relatif. Alors, le premier prix Arcole, je pense pas que cette dame est là, mais il paraît que ça manque de panache de remettre un prix quand la dame n'est pas là, mais. C'est pas le problème. Alors c'est Madame Pariente. Ouais. Bravo. Je vous rappelle
m'accuser de l'hypocrisie. Alors bien sûr, j'ai beaucoup aimé, vous l'avez tout vu, le marché africain. Au niveau technique, c'est bien foutu, etc. Mais j'ai un petit plus pour ce collage, parce que vous avez remarqué, c'est pas une affaire de politique, mais que ces dernières semaines... C'est politique. Merci de me laisser terminer, c'est très sympathique, parce que moi aussi j'ai soif. Moi j'ai du retard par rapport à vous, j'ai pas encore bu, je ne vois jamais pendant le boulot, mais je t'arrête dans 5 minutes mon boulot, et là par contre, si vous m'en avez laissé, j'en prendrai. Donc vous avez remarqué ces dernières semaines que lorsqu'on parle de sans-papiers, on espère avoir 100 bulletins de vote en plus. Donc ce collage africain qui est fait de beaucoup plus de sans-papiers m'a beaucoup plu politiquement parlant. Il y a un petit plus qui m'intéresse dans ce collage par rapport aux sans-papiers, par rapport aux plein de choses et par rapport aux centaines de papiers qui fait de vous, pour ce soir, la reine des sans-papiers. Félicitations. Afin de pouvoir garder une certaine amabilité entre moi et Sylvia, là, donner un second prix à Madame Sonaki Katia. Ouais. Ce sont des collages très sympathiques et particulièrement, enfin c'est moi, c'est subjectif, c'est Fenêtre Sûre, qui est très superbe, qui est très dur à accrocher. On aurait dû demander une prime d'accrochage là, parce que c'est une vraie fenêtre, c'est pas du plexiglas. C'est très lourd. Oh. Et puis on va remettre un prix spécial à Madame Lalo-Marie. Excusez-moi pour le fameux collage de BD, qui ne fait pas penser à l'affaire DSK, mais quand même dans une certaine mouvance. C'est très bien foutu au niveau technique, il y a de l'humour, et ça fait plaisir de faire de l'humour dans le collage, parce que ça rappelle quand même les dadaïstes où on vient quelque part. Félicitations. Merci. Félicitations à tous et merci d'avoir regardé. Merci. Merci. Bien joué. Arrête la machine infernale. Thank you.